Hénault est né dans les Ardennes, à Revin, au bord de la Meuse, et a fini par faire une implantation définitive à Niort. La marque Hénault vient de la famille Hénault, H-A-I-N-E-A-U-X, qui a souhaité raccourcir son nom pour le porter sur ses appareils. Dès l'origine, l'entreprise possédait un savoir-faire intéressant dans l'émaillage, dans la fabrication d'appareils en fonte. L'arrivée du gaz en bouteille après la Seconde Guerre mondiale a permis un essor considérable de l'entreprise puisqu'elle s'est spécialisée dans la fabrication de réchauds, de fours, d'appareils de chauffage d'appoint qui lui ont permis de connaître en 1980 son apogée. Elle employait à l'époque à peu près 600 salariés. Et c'est en 2003 donc, que Laurent Collat et moi-même reprenons cette entreprise. Nous avons orienté l'entreprise vers la conception de plancha et la commercialisation de plancha dans un premier temps sur le marché français, puis petit à petit sur le marché européen. La consolidation du marché du nautisme, elle s'est faite en 2006 puisque nous avons fait l'acquisition d'un concurrent en Amérique du Nord, la société Force 10, qui nous a donc permis de devenir leader mondial dans la cuisson pour les bateaux de plaisance entre 9 et 18 mètres. Nous avons aussi mené un grand investissement autour de la découpe laser. Des machines modernes, numérisées, des robots qui donc à la fois nous donnent plus de souplesse dans la production, qui nous permettent aussi d'innover plus rapidement dans le design et bien entendu de maintenir un niveau de productivité élevé puisque nous avons besoin d'être compétitifs. Nous représentons une dimension économique importante dans notre département et notre région et tenons fermement depuis toutes ces années de faire travailler des personnes handicapées dans l'entreprise qui viennent avec leurs limites mais aussi leurs forces. Nous avons aussi cet engagement de la fabrication française qui est labellisée par le biais de ce label Origine France Garantie. Dans la fabrication de nos produits, nous intégrons des composants à haut rendement qui permettent de réduire la consommation d'énergie lorsqu'on les utilise. Également, les matériaux que nous utilisons sont des matériaux entièrement recyclables. Nos emballages répondent aux mêmes exigences puisqu'ils sont réalisés à partir de papier recyclé. Pour mettre en exergue sur le marché notre engagement environnemental, les plaques émaillées produites dans cette usine sont garanties à vie. Nous exportons 30% de nos produits dans le monde entier. La moitié de ces exports se fait aux États-Unis. Et nous y avons des ambitions importantes puisque nous pensons que dans les années qui viennent, ça sera le marché émergent de l'entreprise Hénault.